Quel est le programme de la soirée, mesdames et messieurs? Vous le savez, on terminera la soirée à la Maison de la Vache Kerry. Il y aura deux tables rondes, il y aura aussi une discussion avec Monsieur Fievé. Et puis, surtout, il va y avoir la mise en valeur de nos lauréats avec la remise des trophées, j'en ai déjà trop dit. Donc cette soirée des lauréats, ce sont toujours des moments incontournables qui réunissent entrepreneurs et décideurs de tous horizons qui participent au quotidien au développement économique, culturel et sportif de la région en favorisant la dynamique entrepreneuriale, l'ADN du réseau Entreprendre et du réseau CCI. Il est temps de faire connaissance avec nos lauréats 2015. Ce sont eux les héros de cette soirée. Ils se sont lancés, ils osent, ils créent avec réalisme et avec enthousiasme. Ils créent, ils reprennent ou ils développent. Je vous laisse maintenant les découvrir, place à nos lauréats 2015, et je vous souhaite une excellente soirée des lauréats. On va les inviter d'ailleurs à venir me retrouver ici même, nos lauréats. Nous invitons Bertrand Bavrel, Adrien Bodenec, Jean-Marc Bourgon et David Bourrel. Sous vos applaudissements, ils vont se voir remettre leur trophée par Vincent Galzo, Pascal Liaudet, Hervé Huillier, Emmanuel Quéran, Pierre-Yves Cher, François Capello, Nathalie Gladoux, si vous voulez bien venir, mesdames, messieurs, bien vouloir venir nous retrouver. Nous allons donc inviter de suite Vincent Galzo, président d'Alteris, et Pascal Liaudet d'EDF. Chère madame, monsieur, si vous voulez bien venir, on va vous remettre le trophée ici même. Voilà, très bien, venez jusque-là, voilà. Et nous allons remettre ce premier trophée sous vos applaudissements les plus chaleureux, mesdames et messieurs, à monsieur Bertrand Bavrel de la société FCTS. Bravo. Nous allons accueillir Emmanuel Quéran de General Electric. Monsieur Emmanuel Quéran, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Qui va donc... Alors, on va vous remettre le trophée, si vous voulez bien. Voilà. Et vous allez remettre le trophée à un de vos anciens salariés, d'après ce que j'ai compris. Monsieur Adrien Bodenec, de la société Bail Français. Bravo, félicitations. Merci encore d'être avec nous. Nous allons accueillir Pierre-Yves Cher de la Caisse d'épargne qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On lui remet aussi le trophée dès maintenant. Ah, pardon, il y a un petit changement. Alors, je vais reprendre votre nom, monsieur. Eric Klingler. Pardon, autant pour moi. Alors, Eric Klingler nous fait le plaisir d'être avec nous pour représenter la Caisse d'épargne. Il va donc remettre le trophée à la société Vermo, mais surtout à Jean-Marc Bourgon. Bravo! Et félicitations, lauréat 2015. Merci, messieurs. Et François Capello, Daxa Capello et Nathalie Gladou, de la Caisse des dépôts nous font le plaisir d'être avec nous, voilà, puisqu'ils vont avoir le plaisir de remettre le trophée 2015 à monsieur David Bourrel d'Actes Sûr. Bravo! De la Caisse des dépôts, François Capello, Axa Capello et la remise des trophées. Attendez, on va faire une photo tous ensemble. Si vous voulez bien approcher, mesdames, messieurs, on va faire une photo là devant tout le monde. Et puis nous allons préparer, quant à nous, la première table ronde de la soirée. Ils méritent vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bravo à nos lauréats, notre deuxième groupe de lauréats. On va les inviter à venir nous retrouver dès maintenant. J'appelle Éric de Chevigny de la société Topsigne, Martine et Tourneau, Thibaut Desforges de la société Eden 6, Julien Fizet de Vici Concept et Grégoire Gilles de JP Martini. Sous vos applaudissements pour nos lauréats, ils seront accompagnés, les prix seront remis dans quelques instants par Philippe Marmier du Crédit Agricole, Guy N de gérant de CER, Antti Jacquin de la Société Générale, Virginie Janin de la Banque Populaire, Marc Thévenot du CIC Est et François Didier, président de Méca Plus. Approchez, vous êtes à l'honneur ce soir et c'est ça qui est important. Allez, nous allons appeler Philippe Marmier du Crédit Agricole. Bonsoir Philippe Marmier, c'est vous qui allez avoir la délicate attention de remettre le prix. Si vous voulez bien faire un pas, monsieur, juste devant, et vous allez remettre le prix à Éric Chevigny de la société Topsigne. Il est lauréat 2015, bravo! Nous accueillons
Alors, deux lauréats, Martine Etourneau et Thibaut Desforges de la société Hidden 6 avec un cadeau et un lot qui est remis, plus exactement le trophée est remis par Guy End, gérant de C&R. Voilà, sous vos applaudissements, là aussi pour la société Hidden 6. Et en fait, si vous voulez bien regarder notre photographe officiel, Martine Thibaut, Hidden 6. Bravo, félicitations. Nous accueillons Virginie Janin de la Banque Populaire, accompagnée de Marc Thévenot du CIC Est. Voilà, et vous allez remettre eh bien, ce trophée à notre lauréat 2015, Julien Fizet de Vici Concept. Et c'est François Didier, président de Méca Plus, membre du conseil d'administration du réseau Entreprendre, qui va avoir le plaisir de remettre le trophée à Grégoire Gilles de JP Martini. Et monsieur Gilles, j'ai bien noté, hein, non seulement vous êtes maire, vous êtes conseiller régional, mais en plus vous vous proposez pour être accompagnateur dans quelques années, on l'a noté. Applaudissements, mesdames et messieurs, bravo. La photo de groupe, si vous voulez bien, avec les différents parrains, les différents partenaires qui sont avec nous. Vous les voyez indiqués là aussi sous l'écran. Vous savez que, eh bien, comme toute association, on a besoin toujours de partenaires et de sponsors. Qu'ils en soient ici remerciés, non seulement pour la remise des trophées, mais aussi pour leur participation annuelle. La Caisse d'épargne, la Banque Populaire, la CCI de Franche-Comté, le groupe des Caisses des dépôts, la région de Franche-Comté, le Crédit Agricole et bien d'autres, là encore, les différents partenaires. Merci mesdames, merci messieurs. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une bonne dose d'optimisme. Nous allons inviter nos lauréats à bien vouloir venir nous retrouver. J'appelle Christian-Marie de Gresset SNL, Franck Merch de Americans Back et Nicolas Robert de Mirabas. Venez nous retrouver, messieurs, sous les applaudissements du public et de toutes ces chefs d'entreprise qui sont avec nous et qui ont aussi cette volonté entrepreneuriale. Nous allons accueillir aussi Serge Claire, Pierre Couturier de BPI France, Monsieur Antoine Fievet, si vous voulez venir nous retrouver une nouvelle fois, Richard Paget, Pierre Worms, Jacques Viel et Madame la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, pour la remise des trophées à nos lauréats 2015. Christian-Marie de Gresset SNL va se voir remettre son trophée par Serge Claire, président d'Extran. Voilà, mais aussi par Pierre Couturier, qui est le directeur régional de BPI France, approchez monsieur, mais aussi par Antoine Fevet, donc PDG des Fromageries Belles, pour cette très très jolie remise. Et là, je pense que vous allez avoir tout le loisir de garder cette photo sur le bureau. Félicitations à Christian-Marie, notre entrepreneur. Merci messieurs, bravo, merci tout plein, bravo. Nous allons accueillir Richard Paget, président du groupe Arcado, qui est avec nous, mais aussi Pierre Worms, président de Réseau Entreprendre Franche-Comté, qui va remettre le trophée à notre futur restaurateur, Franck Merch, Americans Back, du côté de Pontarlier. On a bien noté l'adresse. La remise. Belle photo, lauréat 2015 du réseau Entreprendre. Bravo, félicitations et bonne chance pour la suite. Madame la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, qui nous fait vraiment le plaisir d'être avec nous ce soir. Jacques Viel, président de CRPA, accompagnateur, est-ce qu'il est... Ah, le voici avec nous, merci, bonsoir Jacques Viel. Eh bien, qui va remettre, vous allez remettre le trophée à Nicolas Robert de Miravas, la société Miravas, dont on entendra parler, à mon avis.
Nombreuses sont celles qui souffrent, effectivement. Et la table ronde dans quelques instants, la dernière table ronde de la soirée. On fait une photo tout le monde, si vous voulez bien, messieurs, dames, avec l'ensemble des lauréats pour ce dernier groupe. Alors, il nous semblait... Tenez, Elena, je vais vous laisser le micro. Il nous semblait important, quand on a préparé cette soirée avec Charles Bernard et toute son équipe, il nous semblait important aussi de rappeler un petit peu ce qui se passe lorsque l'on fait l'accompagnement des entreprises, puisque le chef d'entreprise vient au départ rencontrer le réseau Entreprendre, souhaite avoir un prêt, souhaite avoir quelques conseils, mais n'imagine pas tout ce qui se passe derrière. Et tout ce qui se passe derrière, c'est cette force que représente le réseau Entreprendre quand on parle d'accompagnement. Ça va ? Oui. Alors bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement au réseau Entreprendre ? Bah, c'est tout simplement le cœur de métier de réseau Entreprendre. C'est notre raison d'être, avec l'originalité que cet accompagnement est assuré par des chefs d'entreprise bénévoles. Bon, il y a deux formes d'accompagnement, comme l'a dit Elena. L'accompagnement collectif avec le club de lauréats, pour moi qui connaissais personne, ça m'a permis déjà de construire un premier réseau. Et puis on a quand même accès chaque mois à des professionnels très compétents dans des secteurs très variés qui permettent d'avoir des connaissances très utiles et de les acquérir très très vite. Enfin, l'accompagnement individuel, bon, pour moi ça a été surtout m'aider à me poser les bonnes questions au bon moment. Moi j'étais salarié avant d'être chef d'entreprise, donc j'ai pas nécessairement les réflexes et puis on sait, comme on l'a dit, on est seul. Et le deuxième aspect, au-delà des bonnes questions, c'était aussi accélérer mon changement personnel d'état d'esprit, parce que c'est pas du tout la même chose d'être un employé ou d'être un chef d'entreprise. Voilà. Moi, j'ai accompagné plusieurs chefs d'entreprise depuis 2007, qui étaient dans des domaines qui sont pas du tout les miens, mais être confronté à des problèmes sur lesquels moi, j'avais pas été forcément confronté en tant que chef d'entreprise, ça m'a permis aussi de prendre du recul et de me dire comment j'aurais réagi par rapport à ce problème-là si ça m'était arrivé. Donc en fait, l'accompagnement, c'est donner un peu de son expérience, enfin essayer de donner de son expérience, mais aussi recevoir un échange très, très intéressant. Et on est toujours entre chefs d'entreprise, donc avec des gens qui ont un esprit d'entreprendre, une volonté de croissance, d'innovation, ou de régler au plus vite des situations qui peuvent être un peu compliquées. Pour reprendre un petit peu d'histoire quand même, aujourd'hui on est 200 à peu près à Réseau Entreprendre, environ 100, un peu plus de 100 même, je crois même 110 chefs d'entreprise et à peu près 100 lauréats qui sont accompagnés. Et on a un taux de réussite qui frise les 91%, donc on peut quand même être fier, il faut le dire, c'est un chiffre quand même qui est plus que notable. Puisqu'on fait cette formation, l'objectif c'est de récupérer de nouveaux membres, bien évidemment, c'est de les former, de les amener à être accompagnateurs, de leur donner envie de l'accompagnateur, et surtout, ce qui est la force du réseau, c'est de savoir être l'accompagnateur. C'est ça, et prendre du plaisir. Pascal, je voulais juste apporter deux petits commentaires par rapport à ce que j'ai pu ressentir dans le début de cette soirée. Je dois dire que c'est assez, dans un monde qui est aujourd'hui assez, assez sombre, c'est toujours très, très stimulant de voir qu'il y a de la création d'entreprises, de voir tous ces chefs d'entreprise. Moi j'ai démarré comme ça, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Et je me rappelle que c'était une aventure tout à fait exaltante, difficile mais exaltante. Et c'est vrai que c'est une des positions où on se sent souvent assez seul. Et donc je trouve que l'initiative du réseau Entreprendre est de ce point de vue-là tout à fait formidable. Je voulais vous dire aussi que je suis très fier d'être ici parce que c'est le berceau du groupe. C'est en 1921 donc, que mon arrière-grand-père dépose cette belle marque qui est devenue la Vache qui rit. Donc le Jura, c'est vraiment le berceau familial. On y est par définition très attaché. Ce sont des usines, des emplois que l'on défend, avec aussi des centres d'excellence que l'on développe. J'ai quelques collaborateurs qui sont ici dans la salle, que je salue, que j'ai déjà vu tout à l'heure. Mais voilà, je voulais vous dire qu'on était très fiers d'être jurassien, et maintenant je vais répondre à vos questions. Bon, les valeurs, c'est le socle, hein, c'est le cadre comportemental, donc moi j'y suis particulièrement attaché.
Je dis toujours, on a le droit de faire des erreurs dans le groupe. Je dirais même que on essaye de pas de favoriser l'échec, mais l'échec est important. Si on ne s'autorise pas à avoir des échecs, eh ben on ne peut pas innover. Et l'innovation dans nos métiers et dans un groupe comme Bell, c'est tout à fait vital. Donc voilà, l'audace, c'est cette capacité à oser, c'est très important. C'est de permettre à nos managers, à nos salariés, voilà, de prendre la parole, de faire des suggestions, d'apporter des idées, c'est très important. La bienveillance, moi j'y suis particulièrement attaché. Il y a plusieurs façons de diriger un groupe. Bell souhaite et a toujours été un groupe très humain. C'est pas de la philanthropie. Je considère qu'un salarié qui démarre sa matinée en étant fier de travailler dans son groupe et en étant heureux de venir travailler est plus performant. Donc c'est une conviction extrêmement profonde et on a construit beaucoup de choses autour de cette bienveillance. Et puis l'engagement, ma foi, ben, c'est la conséquence aussi un peu des deux premières valeurs, mais qui dit bienveillance dit aussi exigence, dit souci de la performance. Et donc on essaye d'allier les deux. Un petit mot donc sur qu'est-ce qui a provoqué le démarrage de l'international. Où on s'est installé, on a construit notre usine en Suisse. Alors c'est de l'international, on n'est pas allé à l'autre bout du monde, parce que nous on vend essentiellement à l'industrie horlogère suisse. Donc on exporte à 80%, mais on a cette chance de le faire à 80 km de chez nous, hein, dans toute la partie Bienne, la Chaux-de-Fonds, le Locle, etc. Et donc on a construit une usine parce qu'il était réellement nécessaire avec le développement du SwissMed d'avoir un pied en Suisse afin de pouvoir continuer à faire travailler l'ensemble de nos usines. On va laisser la parole maintenant à M. Lacroix. Est-ce que tout a été dit ou... C'est un petit peu différent peut-être pour nous. Vous avez parlé d'ADN. Nous, entreprise créée par notre père en 1946, lui, il a quitté le village de Bois d'Amont du Haut-Jura pour aller hors département, en Saône-et-Loire dans un premier temps, dans les Vosges, en Normandie. C'était déjà un gros pas. Pas international, mais déjà un gros pas. Et nous, on a, en deuxième génération, poursuivi cette internationalisation. Ça s'est fait dans différents pays, ayant, on va dire, un savoir-faire assez bien maîtrisé. L'agroalimentaire est malgré tout un marché qui est vite, dont les fournisseurs sont vite connus, donc on a été sollicités et on poursuit encore notre développement dans ces différents pays, voire l'Asie, qui bien sûr intéresse beaucoup de monde. Nous pouvons renforcer et l'ancrage local et faciliter aussi le développement à l'export. Il y a deux leviers de développement pour les entreprises, c'est l'innovation et l'export. Il nous semble que c'est en tout cas sur ces deux leviers qu'une collectivité comme la nôtre, la région, avec des compétences économiques qui sont poussées par la loi, elle doit être sur ces deux terrains-là. Lui, comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil de votre part si on voulait se développer à l'international? Qu'est-ce qu'il est bien de faire? Est-ce qu'il faut racheter des usines en place? Est-ce qu'il faut être sur place? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil aujourd'hui dans ce développement à l'international? Monsieur Fébé. C'est une vaste question. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? D'abord, il faut considérer que ça va être moins facile que prévu. Les implantations à l'étranger sont toujours semées d'embûches, donc il faut être patient et il faut être pugnace. Alors moi, je ne sais pas s'il y a vraiment de bonnes réponses ou de méthodes toutes faites pour se développer à l'international. Puis j'ai évidemment moins d'expérience que mes voisins. Ce que je crois, et pour répondre à votre question, mais comme à celle de Madame Dufay, l'industrie, c'est du temps. Vous l'avez dit vous-même, on le voit à travers l'histoire de votre famille, on ne construit rien sans temps. Et si on veut faire quelque chose, si on veut développer quelque chose, il faut avoir le temps de le faire. Quoi qu'on fasse, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on a imaginé dans un premier temps. Et donc il faut avoir une certaine persévérance, avoir le temps de développer les projets, le temps d'installer les filiales. Et tout ça, bah, ça nécessite effectivement d'avoir une certaine persévérance. C'est pour ça que moi je crois beaucoup aux entreprises familiales. Parce que justement, la vision de la famille est celle qui permet justement d'aller un peu au-delà des 2-3 ans à venir, mais dire finalement, on souhaite faire quoi et on souhaite
où être où à l'horizon d'une génération, souvent, parce que c'est la génération aussi qui définit son projet. Et je crois que c'est un des sujets où, effectivement, les pouvoirs publics peuvent nous aider, c'est durer dans le temps et transmettre de génération en génération. Et on se rend compte, et là on reviendra sur la première partie du sujet, que les familles sont souvent très attachées à leur ancrage local. Vous parliez du Jura, nous on est sur Besançon, et ça crée vraiment un écosystème qui est tout à fait favorable. Donc vraiment le temps et la notion de temps dans le développement industriel. Effectivement, je ne me permettrai pas de donner des conseils non plus, je pense qu'il n'y a pas de méthode. Il faut bien connaître son marché, bien maîtriser ses moyens de production. Je crois qu'il faut, comme l'a dit M. Févet tout à l'heure, accepter l'échec, hein, ce qui a été le cas pour nous plusieurs fois. Aussi prendre des risques modérés, hein, mais éviter de mettre en péril l'ensemble de la société. Et puis, il faut être persévérant. Ouais. Et argent, on va parler financement. Comment s'est passé, comment se passe aujourd'hui le financement à l'international, comment ça se passe quand on est un groupe familial, est-ce que c'est toujours aussi facile, est-ce qu'il faut faire rentrer des capitaux privés, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je suis comme vous, je suis le représentant de la deuxième génération. Nous, on a toujours eu des actionnaires financiers à notre capital, donc on a toujours été ouvert sur cette approche. Moi, on m'a toujours appris que l'argent, j'ai été élevé à coup de saint Thomas d'Aquin, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et effectivement, les moyens financiers, il y en a plein qui existent. Et ça ne doit pas être un problème en tant que tel. Et je pense qu'en France, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais en revanche, toujours au service d'un projet. En tout cas, on n'aurait jamais pu faire ce déploiement. Je cite quelques chiffres. Donc, 2003, à entrée de nos partenaires financiers, on était à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à 160 millions, donc 14 ans, 13 ans après. C'est bien sûr impossible de le faire sans un apport financier extérieur. Et la rentabilité de l'entreprise, malheureusement, n'aurait pas permis ce déploiement en se finançant tout seul. C'est juste mon message, c'est on essaye toujours, en tout cas dans la famille a plutôt été rétive à l'endettement. Après, la surface du groupe aujourd'hui nous permet de générer suffisamment de cash pour accompagner nos projets de croissance, mais on regarde nos dépenses et nos investissements avec énormément de prudence, et l'indépendance du groupe est un critère sur lequel pour le moment, on ne transige pas. Après, quand j'entends les chefs d'entreprise et les risques qu'ils prennent, je ne peux être animée que d'une très grande humilité, mais qui n'a d'égal que la détermination que nous pouvons avoir. Puissance publique, il faut que nous soyons les plus efficaces possibles à notre niveau. Et puis je voulais dire à notre présidente, qui est une supportrice, un supporter en tout cas des entreprises, et on se connaît pas forcément très bien, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, mes sources sont généralement assez fiables, que si vous pouvez faire quelque chose, peut-être pas forcément au niveau de la région, mais en tant que personnalité, j'allais dire politique, c'est vraiment de persuader ceux qui vous entourent que le monde de l'entreprise a besoin de choses qui sont importantes. Pour construire, il faut avoir un minimum de visibilité. Et je le disais tout à l'heure, on est rentré dans un monde qui est devenu fou. On le voit sur les matières premières, on le voit sur le prix du lait. Je sais que vous êtes au courant de ce type de sujet. L'instabilité fiscale est juste insupportable pour les chefs d'entreprise. Elle est extrêmement déstabilisante. Et on ne peut pas construire durablement en étant en permanence en train de se demander ce qui va nous tomber sur la figure. Et je ne le dis pas pour une entreprise comme Bell, qui peut en souffrir, mais qui a les moyens d'absorber ces chocs. C'est beaucoup plus compliqué pour des petites structures. La deuxième chose, et qui moi a fini par me perturber, c'est l'image du chef d'entreprise. Quel dommage. Quel dommage que dans ce pays, finalement, le chef d'entreprise ne soit pas reconnu. À ma connaissance, l'entreprise est la seule institution qui crée de la richesse. Elle crée non seulement de la richesse et donc de l'emploi, elle crée du savoir. C'est donc un outil formidable. L'apprentissage est quelque chose d'extraordinaire qu'il faudra développer. Et donc, mais l'image du chef d'entreprise en France est tout à fait désastreuse. J'ai jamais tellement compris pourquoi. Probablement parce qu'on parle toujours des 40 mêmes qui sont dans les pages saumon du Figaro, et beaucoup moins de tous ceux qui sont ici dans cette salle. Et si vous pouvez y faire quelque chose, je pense que ça serait formidable.
Et enfin, je veux remercier l'équipe qui travaille depuis maintenant de longues semaines pour la réussite et la construction de cette soirée. Alors si on peut regretter le manque de parité parmi les chefs d'entreprise en général et parmi les membres et lauréats de Réseau Entreprendre en particulier, c'est un reproche qu'on ne peut pas faire à Charles Bernard, le directeur de Réseau Entreprendre, puisqu'il n'est entouré que de femmes. Et je vais lui demander de venir avec toute son équipe sur le plateau. J'appelle donc Charles Bernard, Elena Moïse, Corinne Pradaude, Brigitte Bruneau, Géraldine Hamelin et la dernière arrivée, Fabienne Laudet-Bernard. Alors Fabienne, si vous pouvez venir près de moi. Je voudrais juste vous présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Fabienne Laudet-Bernard. Fabienne, vous l'aurez compris, c'est la nouvelle animatrice de l'antenne Sud-Franche-Comté qui est implantée à Lons. Et mon dernier message, il est pour tous les entrepreneurs jurassiens comme Monsieur Lacroix qui nous découvre. Je ne sais pas si vous nous découvrez, mais en tout cas tous ceux qui nous ont découvert ce soir au travers de cette soirée, venez nous rejoindre, venez, prenez contact avec Fabienne ou le reste de l'équipe autour d'un moment convivial tout à l'heure et venez rejoindre cette surprenante et merveilleuse association de chefs d'entreprise dynamique, un peu fou, un peu punchy, qui donne de leur temps, qui s'engage pour permettre à des entreprises de réussir et créer de l'emploi dans notre belle région de Franche-Comté. La soirée n'est pas finie, on se retrouve dans quelques minutes à la maison de la Vache qui rit. Merci à tous et bonne fin de soirée.